الإيمان بالهندسة المعمارية أو croire en architecture هو شعار الطبعة الثانية لـ Humans of Architecture، مبادرة تنظمها سنوياً طلبة المدرسة المتعددة التقنيات والهندسة المعمارية بالجزائر. الهدف من هذه المبادرة المستقلة التي تجمع مختصين وطلبة في الهندسة المعمارية لتقديم وجهات نظر نقدية حول راهن الهندسة المعمارية في الجزائر والتحفيز على النقاش وتفكير المعمار في الجزائر من خلال طرح الأسئلة ومعالجة الإشكالات الحالة في هذا المجال، سيما تلك المتعلقة بالجوانب الفلسفية الجمالية والحضارية. وللحديث عن جوانب وتفاصيل هذه التظاهرة نستضيف معنا إذن ليلى بوعتو، أحد الطالبات والمنظمات لهذه التظاهرة، مكلفة بالاتصال كذلك نيابة عن الطلبة المحضرين لهذه التظاهرة. أهلا بك ليليا بوعتو، يعطيك الصحة لحضورك معنا. إذا ربما أول سؤال نطرحه لك هو إذا ثاني طبعة، هل يمكن أن تحكينا لنا على التجربة الأولى لهذه المبادرة وكيفاش نشأت وعلاش يعني فكرتوا في يوم لتفكير المعمار؟ Bonsoir tout le monde. Il faut savoir que nous, étant architectes, on se pose des questions à notre avenir. L'architecture en Algérie, c'est pas l'architecture qu'on voit à l'Occident. Donc il y a des questions qu'on se pose, à quoi on va s'attendre une fois qu'on a le diplôme. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous ont menés à les poser à des gens plus expérimentés. Donc c'est là où on a eu l'idée de HOA, c'est les initiales de Humans of Architecture. La première édition, elle a eu l'année passée. Elle avait pour thématique, 5 ans et après, quel avenir pour moi ? Nous avons présenté aux étudiants et aux participants à la première édition les différents débouchés qu'ils peuvent avoir une fois architecte, restaurateur, designer, architecte d'intérieur, administrateur, chercheur, etc. L'événement, il a eu du succès. Donc, ceci nous a mené à aller vers une deuxième édition. إذن ما هي المحاور؟ Quelles seront les thématiques qui seront abordées donc lors de ces rencontres? Alors cette deuxième édition de demain, 28 janvier 2017, qui aura lieu au Palais de la Culture, aura comme thématique croire en l'architecture. C'est une thématique qui découle directement de la première. On va essayer de faire croire aux étudiants en architecture et aux architectes débutants qu'une bonne architecture en Algérie peut se faire. C'est un métier de passion, donc il faut vraiment y croire pour faire de belles choses. Et ceci selon trois sessions, trois panels de conférences. La première, nous l'avons nommée « Croire en la valeur de la vieille pierre ». Nous allons parler du patrimoine architectural algérien qui se délite, qui meurt. Il y a des restaurations qui sont en train de se faire, mais elles n'évoluent pas. Pourquoi ? On posera les bonnes questions aux intervenants, tels que Madame Slimani, Madame Hadjila, etc. La deuxième session de conférence se nommera « Croire en la force de la modernité ». Les architectes que nous avons invités, c'est des architectes brillants qui vont nous transmettre leur point de vue critique et la beauté de ce métier, nous faire croire en l'architecture en gros. Le troisième panel regroupera un groupe d'architectes très jeunes, mais qui a commencé très fort, tels que Sami Hamoud et Esma Tebib. Ils vont partager avec nous leur expérience, leur petit parcours de rien du tout, mais où ils ont fait beaucoup de choses. Et l'après-midi, nous aurons des tables rondes, c'est des débats où les intervenants, où les participants pourront approcher les intervenants, poser leurs questions. On va parler de l'histoire de l'agrément, du diplôme d'architecture, comment monter sa boîte, comment ça se passe sur chantier lors des restaurations et les différentes réhabilitations. Et voilà, en gros, c'est ça. نعم ليليا كما قلت انتم ان تونك دي زاركتيكت دو دوما الجزائر فقط لوحدها او حتى الجزائر يعني اتحدث عن الجزائر العاصمه وحتى يعني مناطق من الجزائر باكملها هي متحف مفتوح لمعالم حضاريه معالم هندسيه معماريه وقعتها الايادي الاولى ايادي الاجداد بالمعالم يعني التقليديه وكذلك اسماء مهمه في المعمار المعاصر أنتم اليوم يعني في مواجهة هذا الموروث كيف تفكرون معمار الجزائر اليوم لماذا بالنسبة إليكم أكيد أنكم تطرحون هذه الأسئلة لماذا لم تصل إلى اليوم لمواصلة هذا المسار يعني لتقديم وجه حضاري معماري مناسب للجزائر Justement, l'Algérie, elle a un patrimoine architectural magnifique, mais il se délite, il meurt. C'est notre patrimoine. En fait, il n'est pas réhabilité. Je sais qu'il y a des projets de restauration, mais ça n'évolue pas. On ne sait pas encore est-ce que c'est lié à l'économie, aux décideurs, ou bien c'est les architectes qui manquent d'ambition.
Et j'espère que l'événement répondra à ces questions. Et nous, en tant qu'architectes du futur, nous essayons justement de faire croire à ceux qui viennent que nous pouvons le faire autant que nouvelle génération en Algérie. نتمنى لكم التوفيق. أشكرك إذن ليليا بوعتو المكلفة بالاتصال لمجموعة إذن هيماس أوف أركيتكتور، لأنني نطقتها خطأ منذ قليل، إنجليزيتي ليست جيدة. ستنظم إذن التظاهرة غدا السبت 28 جانفي بقصر الثقافة في زكريا، والتوقيت ça commence à 8h30 jusqu'à 17h. نتمنى لكم التوفيق. نشكرك على حضورك ومشاركتنا لنا النشرة الثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.